Oui, monsieur. Maître Chan, ravi de vous voir. Je vous en prie. Termine avec les enfants, entendu? Oui, maître, bien sûr. Comment allez-vous? C'est des trucs de filles, ça. Ça vaut rien du tout. Attention à ce que tu dis, ma. C'est le maître Enmui qui a créé le style Wing Chun. Tout réside dans le contrôle de la force. Je suis ravi de voir des disciples aussi appliqués. Monsieur Ip, j'ai entendu dire que vous voyagez entre Hong Kong et Foshan. Vos affaires vont bon train. Ah, je dois vous payer le loyer. Non, attendez, ce n'est pas pressé. Nous sommes entre amis. Le loyer de Mulberry Garden est tellement bas. Et c'est à vous que je le dois. Ce n'est rien. Ce ne sera pas difficile de me rendre l'appareil. Man ? J'arrive. Oui, papa. Voici donc le plus jeune de mes fils, Ip Man, le sang de mon sang. Tinchi ? Oui, papa. Et voici mon fils adoptif qui vit avec nous depuis un an maintenant. Il s'appelle Tinchi. Le but de ma venue d'aujourd'hui est de leur donner un grand maître. Un maître, vous dites ? Oui. Ce sont tous les deux des passionnés de Kung-Fu. Sauter en gage de loyauté. En gage de loyauté. Pour vous. En tant que membre de notre école, vous devez en respecter les règles. L'apprentissage du Kung-Fu, le grand art martial, juste et objectif. Entendu, maître. Mais enfin, tu ne disais pas que tu aimais le Kung-Fu, Man? Les autres disciples vont te tenir compagnie, voyons. Je dois aller à Hong Kong pour mon travail. Papa, prends soin de toi, s'il te plaît. Tinchi, veille bien sur ton petit frère. C'est promis, je le ferai. Papa! Allons. Maître, votre médicament. Laisse-le là-bas. Souvenez-vous, tous les mouvements de la main sont dirigés par votre esprit. Si votre intention est justifiée, vous êtes sur la bonne voie. Votre tisane va refroidir. Tu as fait des progrès. Ne l'oubliez pas. C'est l'esprit noble qui commande les gestes authentiques, vous procure stabilité lors du combat. L'essence du Wing Chun est de suivre l'ombre de l'adversaire et non sa main. Concentrez-vous sur ce que vous sentez, non sur ce que vous voyez, c'est compris ? Oh,
Papa. Tinchi, Tinchi, réveille-toi. T'es en train de faire un cauchemar. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? T'as peut-être faim. J'avalerai n'importe quoi. Il n'y a vraiment rien à manger. Tiens, vous êtes là, deux petites souris en train de chercher quelque chose à grignoter. Je vous préviens tous les deux, je vais le dire au maître. C'est pas lui, c'est moi. Oh, non, c'est pas moi, lui. Je te c'est dis. Moi. Chut, pas lui. Comme vous m'avez donné un bonbon, alors je vais vous aider et je ne dirai rien. Mais ça reste entre nous. Ça, c'est pour vous. Pourquoi les beignets viennent par deux? Ce serait beaucoup mieux s'il y en avait trois, non? Buvez, maître. La tisane vient d'être faite. Vous êtes trop occupé. Ah. Si elle était réchauffée, elle ne vous ferait pas autant d'effet, vous savez. Chunso, tu es un disciple dévoué. Tu devras prendre ma suite ici. Les élèves apprendront de toi. Et Man est doué pour les arts martiaux. Qu'il ait toutes ses chances quand je ne serai plus là. Je vois. Tiens. Et maintenant, va les surveiller. Dit malchance. Levez le cercueil. Baissez le cercueil. Voici la promesse et le vœu que je fais à Maître Watson. Moi, Chunso, m'engage à employer toute mon énergie et toute ma force pour faire perdurer l'authentique Wing Chun tant que je vivrai. Allez! 1, 2, 3, 4, 5, 6, continuez! C'est bien. L'entraînement a été intense. Rentrez chez vous maintenant. Au revoir. Ça va? Alors, fatigué. On l'arrête jamais celui-là. Ouais. Tinchi, à tout à l'heure. Tu as été bon aujourd'hui. Man, allez. Repose-toi maintenant. Ça suffit maintenant. Fais une pause. Allez. Dépêche-toi. Mais ouais, laisse-moi t'aider à mettre la table. Attendez-moi. Qu'est-ce que tu fais encore? Tu viens? J'arrive. Approchez, passez la fête des lampions en douceur, dégustez nos délicieuses friandises. Tinchi,
T'en as de la chance. Il y a des marionnettistes juste en face. C'est bon pour les affaires. En fait, la chance n'a rien à voir là-dedans. C'est calculé depuis longtemps. Malin. Ip Man, on a gardé ça exprès pour toi, tiens. J'en ai déjà mangé 6 bols. Pourquoi tu manges encore, alors? Va faire un tour, histoire de digérer. Hé, hey, Tinchi, les affaires vont très bien, alors je voudrais prendre 5 minutes pour faire un tour. D'accord. La fête des lampions, ouais. Voyons voir si j'ai de la chance. Côté cœur. Ah, je vois. Je reste ici, d'accord. Allez faire un tour, déguerpissez. D'accord. Allez, tu viens. Allez, viens. Je veux voir les acrobates. Attendez, attendez, j'arrive. Hey, mais ouais, tu dois rester. Et les beignets, qui va les préparer? Ça va, j'irai avec toi quand ils reviendront. Non, merci. Moi, je te dis qu'on va bien s'amuser. Regardez, les étrangers savent jouer aux échecs chinois. Et alors, les Chinois aussi savent jouer à des jeux étrangers? Si les Occidentaux peuvent apprendre la culture chinoise, on peut s'intéresser à la leur, non? Hé, allons voir par là. Allez, on se voit plus tard. À plus tard. Vous savez certainement de quelle merveille il s'agit. C'est la plus grande invention du siècle, le gramophone. Il peut reproduire les plus belles voix. Incroyable. On peut même capturer la voix maintenant. C'est une chanson anglaise, une histoire écrite par le roi Henri VIII pour une fille qui a rejeté son amour. Ah oui, étonnant. Cette fille devait avoir un sacré caractère. Oh my God! How can I sell this? Vous avez rayé mon disque, comment je vais le vendre? Je vous demande pardon, je vous rembourserai. Vous savez ce que coûte ce disque? Vous êtes sûr d'avoir plenty of money? Monsieur, je vais vous l'acheter. Mais le disque est rayé, le son ne sera pas bon. Je vous ai dit que je vous l'achetais, ça vous va? Est-ce que je peux connaître votre nom? Il va sans dire que je vous rembourserai. Ça n'est rien. Merci. Petite sœur! On n'a pas de gramophone. Pourquoi as-tu acheté ce disque? Ce n'est pas un disque que j'ai acheté, non. J'ai acheté un sentiment. Ben alors, tu m'as touché la tête avec ce truc, paie-moi alors. Désolé, mais je n'ai pas d'argent. Ben ça, je m'en fiche. Je veux 50 dollars et t'as intérêt à te dépêcher de les trouver. Mais où je vais trouver 50 dollars? Quoi? Tiens, prends ça. Wing, qu'est-ce que vous voulez? Vous arnaquez les gens. Quoi? Relevez-vous. J'ai vu tout ce qui s'est passé. Le diabolo est tombé au sol. Il ne vous a même pas effleuré. On t'a sonné, toi? Est-ce que ça te regarde? Oh, je vous préviens. Ça suffit ou j'appelle la police. C'est ce qu'on va voir. C'est vous qui l'a mérité, bande de fainéants. Oh!
Merci beaucoup pour votre aide. Je vous en suis reconnaissante. Vous êtes le courage en personne, mademoiselle. Puis-je connaître votre nom, monsieur? Au plaisir. Mademoiselle, il s'appelle Ip Man. Moi, c'est Xiu Shan. Et moi, c'est Yu Choi. On est de l'école de Wing Chun. Vous pouvez nous appeler les mousquetaires du Wing Chun. Et ton disque? T'allais l'oublier? Allez, viens. Tu es blessé, dis? Non, allons-y. Allez, tu viens. Est-ce que je peux vous aider? Je cherche Ip Man. Ip Man? Il n'est pas là. Vous voulez que je lui donne quelque chose, peut-être? Non, désolée. On m'a demandé de lui remettre cette lettre en main propre. Je reviendrai. Comme vous voulez, à moins que vous vouliez l'attendre. Enfin, si vous n'avez pas peur des gros moustiques. Des gros moustiques? Attendez! D'accord. Entendu. Vous pourriez remettre cette lettre à Ip Man, s'il vous plaît? D'accord. Merci. Au revoir. Oncle Ip! Bonjour, Mei Wai. Entrez, entrez. Ip Man est là. Papa, regarde. Oui. Qu'est-ce que vous avez ramené? Le nouveau joujou de ma sœur. Fais attention, c'est très lourd. Pourquoi met-il si longtemps à répondre? Il ne t'a pas répondu, petite sœur? Dis-moi la vérité, tu lui as remis en main propre? Je te l'ai déjà dit. Tu en es bien sûre? Oui. Regarde ces médicaments, c'est bon pour les maux de tête, la fièvre, la... J'espère que tu n'en auras pas besoin. C'est très gentil. Man, tu vas te sentir seul à Hong Kong. Prends soin de toi. Oui. À bientôt, frère Chung-so. Hey, passez vite. Ne néglige ni tes études, ni ton entraînement à Hong Kong. Et n'oublie pas les conseils de notre maître. Évite les ennuis et ne te crois jamais meilleur que les autres. Tâche de t'en souvenir, d'accord? Le maître disait toujours... Je connais les bases de l'authentique Wing Chun. Être rationnel et discret. Restez objectif. Est-ce que Ip Man est là, s'il vous plaît? Il est parti à Hong Kong. Qui le demande? Ça ne fait rien. Au revoir. Au revoir. Bonjour, frère Chung-so. Bonjour, bonjour. Voilà des beignets frits. Oh,
Ces beignets ont l'air vraiment délicieux. Avec vous deux, les doubles beignets ne suffisent pas. Alors je les ai fait triples cette fois. Bon appétit. Pourquoi vous faites ça? C'est dégoûtant. Tu veux savoir pourquoi on fait ça? Tu vas voir. Non! Attendez! Je vois que t'as compris maintenant. Laisse-moi t'aider. Ça ira. Ah, vous voilà tous les deux. Je vous cherchais. Président Lee. Parrain. Mei Wai, merci pour ton aide. J'ai un cadeau pour toi. Cette jeune fille l'a amplement mérité. Oh, comme c'est joli. C'est si gentil. Tinchi, depuis ton arrivée, tu as apporté à l'association Jingwu une aide bien précieuse. Ce n'est rien. Et pour toi aussi, j'ai un cadeau. Accepte-le. Merci, monsieur Lee. Une très belle pièce. Elle provient de ma collection de jade. On dirait qu'ils forment une paire. Exact. Tout comme vous deux. Les deux font la paire. I've never seen Chinese pigs playing hockey before. It's so funny. Hey, you, mind your language. My language? It's none of your business. I heard you say Chinese pigs. Oh, no, no. I'm sorry, I didn't mean Chinese pigs. I meant bande débile asiatique. Come on, then. I'll give you 3 minutes. No. 2 minutes. No. 1 minute. Yes. Ça va? Take a seat. Relax. It's okay. Your kung fu is formidable. We call it Wing Chun. Votre ami, comment s'appelle-t-il? Il est incroyable. Il s'appelle... Bien le bonjour, monsieur Ip Man. Bonjour. Dis bonjour, Maître monsieur. Lee, bonjour. 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 Je les connais, ces deux-là. Comment allez-vous, Ip Man? Au revoir. Pas elle, ça c'est sûr. Apothicaire? Je ne suis pas apothicaire, je ne suis que vendeur, mon garçon. Que puis-je pour toi? J'ai besoin d'une pommade. Une pommade, évidemment. Que veux-tu acheter d'autre dans une pharmacie? Que me conseillez-vous pour soigner les bleus? Une pommade ou une lotion? Des bleus? Il y a eu une bagarre? Alors quelqu'un est blessé? Ah, la jeunesse. Que s'est-il passé? Qui a frappé ton ami? C'est moi qui l'ai fait. Ça ne se fait pas entre amis, voyons. Oui, c'est comme ça qu'on est devenus amis. Pourquoi diable l'as-tu donc battu? Une petite différence. Pourquoi tu ne l'amènes pas ici? Ici, pour le soigner. Le soigner? Amène-le pour que je puisse le battre, moi aussi. Et pour être sûr qu'il ne nous traitera plus jamais de porc chinois. Hein?
Comment vous savez ça? À travers tes connaissances et amis. Tu t'appelles Ip Man, et tout le monde te connaît dans cette rue maintenant. Tu es célèbre. Alors comme ça, tu étudies le Wing Chun. Le Wing Chun authentique, celui qu'enseigne le maître Leng Jian de Foshan. Alors si je ne m'abuse, tu dois être l'un des disciples de Chan Wasun. C'est exact. Le Wing Chun authentique, mon œil. Comme si tu l'avais appris du maître Nmui. Combien de temps l'as-tu étudié? Tu as renforcé tes triceps? Tu pratiques le doigt ciblé? Vous aussi, vous pratiquez le Wing Chun, apothicaire? Eh? Un, je t'ai dit que je ne suis pas apothicaire, je suis juste vendeur. Et deux, oui, je pratique le Wing Chun, mais il est différent du tien. Une petite démonstration? Un autre jour. Qui te dit que j'en aurais envie un autre jour? C'est tout de suite ou jamais. Mieux vaut éviter. Je veux pas vous faire mal. Quoi? Tu refuses de t'affronter à une vieille peau, c'est ça? Allez! Apothicaire, je... Ton maître ne t'a pas tout appris. Quand tu pratiques avec les autres, tu dois mesurer la force appliquée. Si tu ne prends pas ce combat au sérieux, tu vas m'offenser. Alors vous insistez. Ben alors, tu veux faire une pause? J'arrive! D'accord, on continue. Sois gentil, ne casse rien. Attention, tu sais ce que valent ces pots? Une petite minute. Vous appelez ça du Wing Chun? Tout ce qui émane de mon poing est du Wing Chun. Ah, ça n'a rien à voir avec du Wing Chun. Mon maître disait que les gestes stratégiques du Wing Chun viennent à 2/3 des mains et 1/3 des jambes. Et il n'avait pas tort, c'est vrai. Le style traditionnel se concentre sur l'usage des mains. Mais qui a dit qu'on ne pouvait pas changer cette norme? Il faut savoir être flexible, adapter les prises à la réalité. Les mouvements peuvent se décliner sous bien des formes et ceux des jambes également. Puis-je savoir votre nom, s'il vous plaît? Je m'appelle Leng Bik. À Foshan, d'où je viens, on m'appelle Monsieur Bik. Car le maître Leng Yan n'était autre que mon père, sais-tu? Vous êtes mon idole. Alors qu'est-ce que tu en dis? Mon Wing Chun est-il authentique? Et vous êtes drôle en plus. Je sais. Reviens me voir après-demain, d'accord? Que je revienne après-demain? Tu ne veux pas prendre des leçons? Bien sûr que si. Sauf que je vais avoir du mal à vous payer, autant vous le dire. Qui t'a demandé de payer, espèce d'imbécile? Inspection des douanes. Ouvrez les caisses, messieurs. Monsieur Zé. Pour la Nippon Shogai, va. Dégoût de l'Ojigan, va. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous ne pouvez pas les ouvrir. Elles ont été achetées à la chambre de commerce japonaise par l'ambassade britannique. Je ne parle pas japonais. Igagen de Shiro. Takaga Tsukain no Bunzai de. Comment un petit douanier de votre espèce ose mépriser en public la chambre de commerce japonaise? En cas de dégâts, qui serait le responsable? Et en cas de contrebande, qui serait le responsable? Messieurs, ouvrez les caisses. Oui, monsieur Kitano a dit que vous ne pouviez pas les ouvrir. Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites, hein? Vous savez qui est ce gentleman? Vous savez combien d'argent monsieur Kitano donne à Foshan chaque année? Monsieur Kitano, mes excuses. Emmenez la marchandise. Qu'est-ce que vous regardez? Partez! Bien sûr, j'accepte les dons. Je suis navré. Mais s'ils viennent des Japonais,
je refuserai sûrement. Mais enfin, pourquoi ce commentaire, Président ? Les mauvaises intentions du Japon sont devenues évidentes. Ils ont annexé notre territoire et construit la voie ferrée en Mandchourie en vue d'une invasion économique. Il n'y a qu'à voir ce qu'ils ont fait dans le Nord-Est. Leurs ambitions sont claires. Oui, je comprends le Président. Je ressens la même chose. Mais le fait est que... la chambre de commerce japonaise à Foshan n'a rien à voir avec la question du Nord-Est. Monsieur Kitano n'est venu ici que pour faire des affaires, à l'instar d'autres investisseurs étrangers. Je pense donc qu'on devrait traiter ce don de la même façon que les autres. Je ne pense pas que les Japonais feraient un don sans arrière-pensée. Eh bien, après avoir fait des affaires depuis si longtemps à Foshan, cela pourrait être un signe de remerciement pour les services rendus. Ne soyez pas si méfiants. Tinchi, tout cela te concerne aussi. Dis-nous ce que tu penses, toi, en tant que nouveau venu. Je suis assez d'accord avec vous. Après tout, les finances de notre association sont assez solides et dans l'immédiat, nous n'avons pas besoin de ce don. Tinchi, je retourne à l'école. Monsieur le maire ? Essaye de convaincre le président Lee d'être moins entêté, Tinchi. Monsieur le maire, nous sommes ici entre gens bien élevés. Pourquoi laisser les gens mal élevés nous fâcher de la sorte ? Vous avez raison. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Après vous. La version améliorée du Wing Chun réside dans le bon usage du poing à distance, près du coude, en combat rapproché, qui comprend les mouvements longs et courts. Dans le Wing Chun, la lutte repose sur le principe du revers. Pas besoin de tenir ton adversaire. Ton maître s'est concentré sur l'étirement long et les coups bas. Ma version améliorée du Wing Chun comprend l'étirement court et les coups hauts. Le Wing Chun ne doit plus être décrit comme authentique ou non authentique. Pour moi, le Wing Chun est une grande famille. Il n'y a pas de différence entre toi, moi et lui. Au revoir, Man. Notre nom se dit avant le prénom, cher révérend. Alors, Man, all the best. Thank to you. Bye bye. Bye bye. En avant. Au revoir, Ip Man. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà pour vous. Merci. Ip Man est là. Tu aurais dû me prévenir de ton arrivée. Mais ouais. Venez tous, il est de retour. Oh là là, qu'est-ce que t'en as fait ? Ça, c'est pour moi. Le reste, ce sont des cadeaux pour vous. C'est chouette. Allons-y. Merci. Merci. C'est pour toi. Oh, pour moi, c'est vrai ? Oh, merci. Je vais jamais pouvoir manger tout ça. Ne mange pas tout, il y en a pour mon frère, pour qu'il les vende. Man ! Kinchi ! Te voilà ! Ouais. Ça faisait si longtemps. Bonjour. T'es bien grassouillé, dis donc. Tu t'entraînes toujours autant ? Est-ce que tu veux le voir ? Ah oui. Ah oui, allez-y. Donne-moi ça. Un point pour Man. Wow. Bien joué. Mais qu'est-ce que c'est que ce style ? Du Wing Chun ? Non, il n'y a pas de coups dans le Wing Chun. Tu as appris ça où ? Continuons et je te le dirai. C'est d'accord. Ouais, vite, attention. Pour Tinchi.
Ah, je le savais. Ça n'est pas du Wing Chun, ça. Ip Man, c'est génial! Quelle technique! Où t'as appris tout ça? Oh, oh, non, enseigne-nous! On veut savoir, nous aussi! Attendez, un seul à la fois. Mei Wai! Mei Wai! Que fais-tu? C'est bien nécessaire? Ça va, arrête. Et toi, vas-y, tout doux. Ça va? Repose-toi, Mei Wai. On va apprendre ensemble. Pour récompenser votre enthousiasme, venez. D'accord. Relève-toi. Qu'est-ce que t'as progressé? Ça repose davantage sur le principe du revers. C'est une approche assez différente. Inutile de tenir son adversaire. C'est génial. Je veux apprendre aussi. Frère Chunso. Frère Chunso. Ouais. Laisse-moi t'aider. Ce poulet est énorme. Laissez-moi m'en charger. Dis-moi, te souviens-tu des paroles du maître? C'est l'heure de rentrer. Je vous le demande. Quel style est l'authentique, celui de notre maître Chan ou celui de ce Leung Bik? Leung Bik? Frère Chungso, maître Leung et notre maître sont de la même école. Son style ne devrait pas être considéré comme s'écartant de l'authenticité. Et d'ailleurs, ils se sont entraînés ensemble. Ça, c'est insensé. Il ne s'est jamais entendu avec le grand maître ni avec tous ses frères. Leung Bik est vaniteux. Peut-être qu'il a un autre point de vue, voilà tout. Peut-être, et alors? Il a créé certaines tensions au sein de la famille. Lorsque notre grand maître est décédé, le frère de Bik a immédiatement érigé un mur pour séparer les deux familles et exacerber cette rivalité. En conséquence, il a été très mal reçu par les autres. J'en conviens, il est excentrique. Certes, mais ça n'est pas un mauvais homme pour autant. Les gens pensent que le Wing Chun a peu recours au mouvement de lutte, mais lui, il croit qu'en impliquant les mains, on peut facilement battre ses adversaires. C'est vrai, j'ai essayé. En comparaison avec les mouvements traditionnels, les mouvements de Bik permettent beaucoup plus de souplesse. Laisse-moi te dire une bonne chose. Le Wing Chun que Leung Bik a appris ne représente pas celui de son père. Ses figures et ses mouvements ne sont que des inventions puériles. Et comment avancer sans améliorer nos techniques? Il a raison. Tu es trop avide et tu veux en savoir toujours plus avant de maîtriser les bases du Wing Chun. Tu finiras par ne rien gagner. J'en ai assez, je m'en vais. Chungso, ne te fâche pas. Man vient de rentrer. Laisse-lui au moins une chance. D'accord. Il a sa chance maintenant. Entendu, montre-moi quelle sorte de perversion tu as appris. Debout! Debout! Arrêtez! Arrêtez! Qu'est-ce qu'ils font? Arrêtez! Restez là! C'est ce que tu as appris? Ça suffit. C'est du Wing Chun ce qu'il a fait? Dis-moi, depuis quand il y a des coups hauts dans notre école? Ou des coups de coude aussi bas? Et maintenant, je vous demande à tous de vous agenouiller devant notre maître et jurer de respecter nos traditions. Frère Chungso, c'est ma faute. J'ai voulu tester de nouvelles choses. Les élèves n'ont rien demandé. Pardonnez-les. Je suis le seul à mériter une punition. Ça y est, je t'ai montré tout ce que je sais, Man. Merci, maître. Non, s'il te plaît, arrête de m'appeler maître, entendu? Pourquoi devrais-je arrêter? Ton seul maître est Chan Hwa-soon, et tu dois faire preuve de respect envers lui. Quand j'étais jeune, j'étais trop impatient. Je ne savais pas me mettre dans la peau des autres, et ma famille était trop conservatrice. Elle avait en horreur mes idées novatrices. Et cela a causé tant d'incompréhensions et de disputes.
Afin d'éviter tous ces conflits, j'ai décidé de quitter Foshan la mort dans l'âme. Man a toujours été un élève très doué, mais un disciple ingrat. Maître, croyez-vous que je doive l'expulser? Maître, faites-moi un signe. Si c'est votre volonté, si vous croyez qu'il faut que je le fasse, cette pièce retombera sur la face. Maître, Ip-Man est encore jeune, c'est normal qu'il fasse des erreurs. Et d'ailleurs, ce n'est peut-être pas complètement de sa faute. Grand maître, assurons-nous du résultat. Merci, maître. Merci, maître. Merci beaucoup. Qui êtes-vous ? Nous avons entendu dire que votre association est réputée dans son domaine, contre la séparation des écoles. Alors nous sommes venus nous unir à vous. Je suis ravi que vous partagiez notre point de vue. Bienvenue. Quel est donc votre nom ? Avant toute chose, je veux savoir si votre association est assez qualifiée. Qu'entendez-vous par là ? Avant de vous rejoindre, nous devons vous connaître. Donc je voudrais voir à quel point vos professeurs sont doués. Qu'est-ce que vous croyez ? Notre association ne marche pas de la sorte. Vous rendez les choses assez difficiles. Comme vous voudrez. Nous devrons vous forcer à faire une démonstration. Vous êtes venu chercher des ennuis. Arrêtez ! Une minute. Père. Monsieur Kitano, j'aurais dû me douter que vous alliez venir. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez ? Pas grand-chose. Je voulais juste dire bonjour. Oh non, je ne vous crois pas. Vous venez chercher la bagarre. Les gens viennent ici apprendre les arts martiaux, alors je ne vois pas ce qui est de mal à ça. Attention. Président Lee, permettez-moi. Visiblement, ma fille n'est pas à la hauteur. La bravoure est l'arme de la jeunesse. Viens, on va manger un morceau, Ip-Man. Ah. Tiens, des beignets triples ? Oui, c'est mon invention. Trois morceaux ? Comment on peut manger tout ça ? On en a un chacun, ils sont pour nous trois. Là, les côtés croustillants sont pour vous deux, le milieu est moins croquant.
Est-ce que tu te souviens? Enfant, tu voulais qu'il soit triple. Je n'ai jamais dit ça. T'as oublié? On dirait que j'avais le sens de l'humour, alors. Dommage que tu l'aies perdu. Tu sais, j'ai plus faim. Mais ouais. Mais ouais. Mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? Rien. Allez, viens, mangeons. Au fait, j'ai oublié de te féliciter. Hein? Mais pourquoi? Pour ta carrière brillante et pleine de promesses dans les affaires. En plus, le président Lee va te recommander pour le poste de vice-président. Un grand avenir t'attend. Arrête de me taquiner. C'est au frère Chung-so que je dois tout ça. Au fait, qu'est-ce que tu comptes faire après tes études? Je vais te le dire, j'ai une petite idée. Mais te moque pas de moi. Je veux monter une école d'arts martiaux. Et pouvoir promouvoir le Wing Chun. Excellente idée. Et si c'est à Foshan que tu commences, je m'occuperai du capital. Attends, pas si vite. Pourquoi seulement à Foshan? Ce sera une école internationale. J'enseignerai au monde de Wing Chun. Au monde, dis-tu? Waouh! Mes hommages! Oh, gourou du Wing Chun, nous allons créer de nombreux c'est adeptes. C'est ce que je souhaite. Et puis, dès que tu seras devenu célèbre, on fera un film pour promouvoir le Wing Chun. Partout dans le monde, on ne parlera que de ça. Toi, tu mets l'argent et moi le travail. D'accord. Et les bénéfices, alors? 30% pour toi, ça te suffira. 50-50. Toi 40 et moi 60. Ça va refroidir, mange. Alors, marché conclu. Oui, mais mangeons d'abord. Petite sœur. Qu'est-ce que tu veux? Le fils du maire est ici. Il veut t'emmener voir un film. Et papa a accepté pour toi. Ah oui? Oui. Il a dit de quel film il s'agissait. Quoi? Tu veux vraiment y aller? Comment? Et Ip Man alors? Et tes discours sur l'amour libre? L'amour libre? J'ai attendu si longtemps. Et je cherche encore à trouver ma moitié. Peut-être qu'Ip Man et moi ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Ah oui, tu crois vraiment? Oui, il va bien falloir que je me rende à l'évidence. Il n'y a plus rien à faire. Tiens, regarde l'affiche. Il passe un nouveau film d'horreur. Tu ne dois pas aimer ça. Pourquoi ça? Allons le voir. Attends, je vais chercher les entrées alors. C'est ici, s'il vous plaît. Tenez votre ticket, merci. Ip Man? Mademoiselle Justice. Mademoiselle, vous n'êtes pas la fille du maire adjoint? Comment allez-vous? Bien, merci. Vous êtes venue voir le film aussi? Ouais, le monde est petit. Mademoiselle Chung te cherchait, man. Ah oui, à quel sujet? On en parlera après le film. Vous aviez moins peur des voleurs. Je vous croyais courageuse, mais visiblement, je me trompais. Je suis courageuse. Ne me touchez pas! Qu'est-ce qui se passe maintenant? Vampire approche. Il est sur le point de mordre la femme. Il l'a eu. Ah. Il a fini de la mordre? Non, attendez, pas encore. Ouvrez les yeux. Vous en êtes sûr? Mais oui, regardez. Excusez-moi. Mademoiselle Chung, je vous raccompagne. Ce n'est pas la peine, monsieur Cho. Au revoir. Venez. Mademoiselle Chung. Troisième. Qu'est-ce que... Tu as faim? Merci encore à vous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.
Ah, oh, vous achetez des ignames? Mademoiselle Chun, où avez-vous appris l'anglais? Je l'ai appris toute seule. Mon frère a suivi des cours d'anglais à Hong Kong aussi. Vous pourriez peut-être pratiquer ensemble? Où est-ce qu'on va maintenant? Demain, c'est l'anniversaire de notre maître. Achetons un poulet. D'accord. Allons-y, Meroy. On parle pas anglais, toi non plus. Allons-y. Viens. Vous vouliez me demander quelque chose? Ce n'est plus la peine. Vous êtes drôle. Moi, j'ai une question à vous poser. Je vous écoute. En fait, j'ignore votre nom. Vous m'avez bien appelée Mademoiselle Justice, n'est-ce pas? J'aime bien ce nom. Alors comme ça, vous n'allez pas me le dire. Je m'appelle Chung Winsing. Penser à une personne dont on ignore le nom, c'est un peu comme écouter une chanson dont on ne connaît pas le titre. Ou bien on connaît le nom de la personne, mais on ignore ce qu'elle pense. C'est comme écouter une chanson dont on connaît le titre, mais dont on ne connaît pas vraiment la mélodie. 1, 2, 3, 4. Ah ! Qu'y a-t-il ? Vous êtes fait mal ? Il a été vilain avec moi. Vous devriez le punir. Laissez-moi faire. Comme ça, regardez attentivement. 1, 2. C'est bien trop lent. Plus vite, allez ! Vous devez l'anéantir, allez, continuez. Allez-y, 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 allez. Ne riez pas, on perd son énergie en riant. Enfin, regardez-vous. Vous êtes collé à ce bout de bois toute la sainte journée. C'est pour lui ressembler qu'on vous a élevé, incapable d'exprimer des émotions, comme lui. Et comment fait-on pour être expressif? Vous pouvez exercer vos pensées. Par exemple, pensez à quelque chose que vous adorez, ou à quelqu'un. Alors je vais graver votre nom ici, Chung Winsing. Pour me battre tous les jours, mon cher? Mais non, mais non, mais non. Juste pour être avec vous tous les jours. Hitman, viens nous aider à préparer le dîner. Je sors dîner avec Winsing ce soir. Continuons. Viens ici, Winsing, j'ai quelque chose à te dire. Allez nettoyer le bureau. Oui, monsieur. Qu'est-ce que tu veux me dire, papa? Winsing, tu as commis une grossière erreur. Quelle erreur? Je vois, rester indifférente au charme du fils du maire. Tu n'aurais pas dû sortir avec ce garçon qui pratique les arts martiaux. Si tu détestes ces athlètes, pourquoi soutiens-tu l'association Jingwu? Enfin, je la soutiens parce que c'est mon travail, voilà tout. Notre amitié n'a rien à voir avec le travail. Je ne suis pas une hypocrite. Comment ça? Tu oses me traiter d'hypocrite? Je suis ton père, et tu vas m'écouter. Évite tes amis qui ont une mauvaise influence et déshonorent la famille. Évite ce fameux Ip Man. Si tu penses un tant soit peu à la famille, va dans ta chambre et réfléchis 2 secondes. C'est pour toi. Merci. Grâce à ce coussin, je ferai de beaux rêves. J'ai peur qu'il faille qu'on arrête de se voir. Qu'y a-t-il? Bonjour, je viens voir le maire adjoint. Ah, entrez s'il vous plaît. Asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. I hope to see you soon, Mr. Chung. The pleasure was all mine. Oui, à bientôt. By the way, where can I purchase bone china? Il veut savoir où est-ce qu'on peut acheter des porcelets. Des porcelets? The British simply adore bone china. Il vient de dire que les Anglais apprécient beaucoup les porcelets. Je suppose qu'il en trouvera à bon prix à l'abattoir. Go to Killing Animal House to buy. Killing Animal House? Yeah, 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 yeah. Kill, kill, kill. Ah! Listen, kill chicken, kill cow, kill pig, kill duck, kill goose. Good, thank you. Okay. Une note, monsieur. Oui.
Il veut de la porcelaine. Just kidding. Mr. Chung says where he can take you to buy very good China bone. Nous plaisantions, voilà tout. Thank you for doing this favor for me. Oui. Goodbye. Goodbye. Merci de votre aide. Vous dominez l'anglais. Et vous êtes? Ravi de vous connaître, Ip Man. Alors c'est vous, hein? Vous êtes venu pour Wing Sing? Je suis venu rendre visite à Monsieur le maire adjoint. Me rendre visite? Petite sœur, tu connais la dernière? Non, qu'est-ce qu'il y a encore? Ip Man est ici. Ip Man est ici? Oui, il est là. Il est venu voir papa. Allons les voir. Laisse-moi t'aider. Non, merci. Mais ouais. On va au cinéma ce soir? Et les autres y vont? Siu Chan et Yu Cho, ils n'aiment pas le film qu'ils passent, je crois. Et Ip Man? Ip Man a de la compagnie. Je vais y réfléchir. Ne réfléchis pas trop longtemps. Le film va commencer d'ici une heure. Alors, on n'a plus le temps d'y aller. En fait, j'ai déjà acheté deux entrées et j'ai essayé d'acheter des bonbons. Je n'ai trouvé que des chocolats. Bonjour, maître Chung Tso. Voici un cadeau de Monsieur Chan. Merci, merci beaucoup. Yu Choi, oui? Emmène les cadeaux dans le grand hall, s'il te plaît. Par ici, s'il vous plaît. C'est par là. Merci. Ah, qu'est-ce que tu as vu? C'est joli, hein? Ah oui, très joli. Tenez, veuillez vous en laisser. Installez ça correctement. Oui, on l'emmène. Et vous, cette lanterne, un peu plus à gauche. Entendu. Ah, et la lanterne de droite, un peu plus à droite. Alors, c'est fini? Dis, ça va, mon écriture? Tin Chi, Ip Man, suspendez ces couplets à l'entrée. Ils sont du plus bel effet. D'accord. Hé, je vais chercher la pâte de riz. Ouais. Entendu, allons voir à l'intérieur. Très vite. Une petite seconde à m'accorder. Bien évidemment. C'est par là. Venez. Allez-y. Oui, tout y est, c'est bon. Perdez pas trop de temps, hein. Rappelez-vous, on sera bientôt prêt. Bon, je viens vous aider dans... Monsieur Ip Tin Chi. Je peux vous aider? La famille Kitano tient à vous remettre ce petit cadeau. Nous espérons que ce soit un grand mariage. J'aimerais savoir comment vous vous sentez maintenant. Allons à l'intérieur. Je n'ai pas levé mon verre avec tout le monde. La cérémonie est splendide. Oui. Les gens ont accouru de toute la province. Mes amis, tout le monde debout. Je lève mon verre à ce grand jour. Merci à tous. Merci à tous. Santé. Santé. Grande vie, vous manquez rien ici. Grande vie, santé. C'est gentil. Très santé. Merci. Oui, santé. Santé. Asseyez-vous, asseyez-vous. Monsieur,
Asseyez-vous. Quel grand jour, quel grand jour. Tenchi gagne une femme, et moi je gagne une fille. Je suis très heureux aussi. Pour moi, Mewai est presque une fille, et Tenchi est presque un fils. Donc, j'ai une demi-fille qui épouse un demi-fils, et un demi-fils qui épouse une demi-fille. Et le tout forme un couple parfait. Un instant, n'oubliez pas que Tenchi est mon fils. Je suis vraiment ravi qu'il épouse votre demi-fille. Vous allez connaître un autre grand bonheur à l'avenir. D'ici peu, ce sera le tour d'Ip Man. C'est tout ce que je lui souhaite. Tenchi, trinquons pour que tu passes une belle nuit de noces. C'est gentil. Et aussi félicitations pour ta promotion au poste de vice-président. Merci. Santé. Il y a tellement de raisons pour lever nos verres. Que sais-je ? Que sais-je ? Écoute, Tenchi, travaille dur. Je sais, papa. Santé. À ma femme, c'est un honneur. En l'honneur de mon tendre époux. Santé. Merci. Maître, monsieur Yves. Comme il était très content, il est un peu bu. Je vais le conduire dans sa chambre. Ip Man, reste dormir ici ce soir. Va te reposer. Laisse-nous. Oui, monsieur. Ip Man. Faites attention. Allez, viens. On va boire un dernier verre. Il se fait tard, Président Lee. Comment ça tard? La nuit... La nuit est encore si jeune. Tenchi dit que tu as une technique fantastique. Vas-y! Montre-moi ce que tu sais faire. Un autre jour. Quoi? Pourquoi attendre? Montre-moi ce soir. Président Lee, sérieusement... Alors qu'est-ce que tu attends, justement? Président Lee... Monsieur, on n'a pas besoin de toi. Tu peux te retirer. Faisons un autre essai. Président. En route. Oui, monsieur. Accrochez-vous, c'est parti. Maître Ng, Maître Ip. Maître Ng, Maître Ip. Où est Tenchi? Il ne vient pas? C'était sa nuit de noces. Je lui annoncerai la nouvelle plus tard. Allons d'abord voir le corps, maître. Maître. Par ici. Dépêchez-vous. Je n'arrive pas à y croire. Le président, un homme aussi honorable et respecté. Il faut trouver l'assassin, car sa mort ne peut rester impunie. Ouais. Faites-moi entrer. Vous avez appelé la police? Pas encore. On ferait bien de le faire. Tout de suite. Toi, couvre-le. J'y vais. Où est mon frère? Dans sa chambre. Ip Tenchi. Ip Tenchi. Ip Tenchi, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, reste ici. Viens et tout de suite. Il faut qu'on parle tous les deux. Quel est le problème? On devrait tous avoir des scrupules. Où veux-tu en venir? Le président Lee ne t'a-t-il pas traité comme un fils? Pourquoi tu fais ça? Fais quoi, enfin? Tu as perdu la tête? Non, pas du tout. Étrangle-moi si t'en as le courage. Qu'est-ce que tu racontes? Tu l'as étranglé en te servant de ta main gauche. Allez, avoue-le. Parce que Lee est mort? Cela ne restera pas impuni. Lâche-le, man. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Pourquoi vous vous battez enfin? Quelqu'un a assassiné ton parrain. Regarde-le dans les yeux. C'est lui le coupable. C'est parce qu'il a été étranglé de la main gauche que tu m'accuses de la sorte?
Je ne suis pas le seul qui sait étrangler ici. C'est toi qui me l'as appris. Toi aussi, tu sais utiliser ta main gauche. Les Japonais veulent se débarrasser de leurs adversaires. C'est toi qui as dû les aider. Sans ça, pourquoi auraient-ils envoyé des cadeaux à ton mariage? Je fais affaire avec tant d'étrangers. Les Japonais m'envoient des cadeaux. Qu'y a-t-il d'étonnant à ça? Je te retourne la question. Jure que tu n'as rien à voir avec sa mort. Très bien. Moi, Ip Tinchi, je jure. Tinchi, la police vient juste d'arriver. Ip Man, tu l'as dénoncé à la police? Monsieur Ip Tinchi, nous sommes venus emmener Monsieur Ip Man au commissariat. Pourquoi voulez-vous emmener mon frère? Il est soupçonné du meurtre de Monsieur Lee. Le valet de Lee a été témoin d'une discussion agitée d'un combat entre Ip Man et Lee la nuit dernière. Non, le président avait trop bu. Et mon frère l'a ramené, c'est tout. Il ne va pas se battre avec Monsieur Lee après l'avoir ramené chez lui, non? Arrêtez-le. Il doit y avoir une erreur. Il n'a tué personne. Monsieur Ip, dites à votre épouse de nous laisser faire notre travail. J'irai avec lui, entendu. Je n'ai rien à craindre. Je suis innocent. Allez. Ip Tinchi, tu as juré, n'oublie pas. Inspecteur, si vous n'avez pas assez de preuves contre lui, vous devez le relâcher. Son incarcération est injuste. Monsieur le maire adjoint, Ip Man est accusé du crime. L'enquête prendra son temps. Ip Man est innocent. Libérez-le sur le champ. Mademoiselle Chung, nous nous basons sur des preuves. Nous n'accusons pas les citoyens innocents. Il y a des témoins dans cette affaire. S'il est innocent, pourquoi n'essaie-t-il pas de se défendre lui-même? Vous répétez sans arrêt que Ip Man est innocent. Vous avez des preuves, Mademoiselle Chung? À moins que vous ne puissiez prouver son innocence, inutile de faire des revendications sans fondement. Ip Tinchi a été élu président de l'association sportive Jingwu. Ouais, bravo, jeune homme. Bravo. Félicitations. Félicitations. Merci. Félicitations. Félicitations. Merci. Félicitations. Merci beaucoup. Très bien. Monsieur Kitano va donner $300,000 à l'association. Et ses étudiants viendront ici pour échanger des connaissances. Un grand jour pour nos élèves. Des objections? Merci. Que veux-tu dire? Je te le dirai dehors. Faites vite. À 22h30, le soir du meurtre, Ip Man est venu chez moi. Nous sommes restés longtemps. À bavarder. Il était un peu ivre, alors il a passé la nuit avec moi. Voilà la vérité. Mademoiselle Chung, ce que vous dites est vrai? Vous étiez vraiment avec Ip Man la nuit du meurtre?
Votre témoignage est crucial dans cette affaire. Si vous avez inventé tout ça, vous irez en prison. Je jure que c'est vrai en tant que fille du maire adjoint. Cet alibi ne démontre pas son innocence. Il nous faut des preuves plus solides. Je suis navré de vous l'annoncer. Des preuves plus solides ? Ma fille a assez de vertu pour prouver l'innocence de cet homme. Ai-je besoin de faire venir le gouverneur de la province pour faire justice ? Relâchez-le. Il est innocent. Papa ? Papa ? Ne sois pas fâché, je n'avais pas d'autre choix. Il fallait que j'invente quelque chose. Je suis désolée. Tu viens de sacrifier ta réputation. Tout ça pour sauver ce garçon. Pour sauver un as de kung-fu. Tu dois épouser ma sœur au plus vite. Winsing. Papa, calme-toi, s'il te plaît. Je suis navré, je n'en vaux pas la peine. C'est à moi d'en décider, c'est fait. Écoute, je ne veux pas que tu m'épouses juste pour ça. Winsing. Ce n'est pas ce que je veux dire. Écoute, je veux qu'on se marie. Il y aura une cérémonie officielle et un grand banquet. Ton père ne doit pas s'inquiéter. C'est simple que ça. C'est assez difficile à expliquer. Mais ouais, s'il te plaît, ne me quitte pas. Écoute-moi, je t'en supplie. Écoute-moi, écoute-moi, s'il te plaît, écoute-moi, écoute-moi. Quel mensonge vas-tu encore me raconter? Tu ne peux pas mourir. Tu vas être mère bientôt. Mais tu l'as tué, Tinji. Tu devrais te rendre à la police. C'est trop tard. Ça ne marchera pas. Écoute. On devrait partir, s'en aller discrètement. Reste ici. Où est la lettre? Qui est venu? Dis-moi, qui est venu? Personne, personne, non. Qui est venu? Tu vas me le dire! Frère Junso, il est venu me voir tout à l'heure. J'ai déjà nu à mon frère. Je ne veux pas impliquer Chung-Soo aussi. Où vas-tu ? J'ai tellement fait pour ta carrière, père a fait accuser Ip-Man à ta place. Tu devrais nous être un peu plus reconnaissant, je crois. Et tu flanches à la dernière minute à cause de cet laidron. J'ai fait ce que vous vouliez. Qu'est-ce que vous attendez? Je ne vous dois plus rien. Non. Je n'en ferai rien. Tu crois avoir le choix? Tinchi! Lâchez-la! Tinchi! Bush no songen ni kakete chikau. Kono nimmu sae konaseba. Je ne saurais le battre, enfin. Si tu n'y arrives pas seul, je t'aiderai.
Tinchi! Montre-toi! Tinchi! Viens vite! Tinchi! Viens ici, vite! Dans cette école, les traîtres sont châtiés! Il n'est plus votre supérieur. Faites-le sortir de là tout de suite. Tinchi! 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 Grand maître, je suis navré. J'ai failli à mes tâches. Yutoi! Yutoi! Une façon de traiter ses condisciples. Man, fais attention à toi. Oui. Oh!
Mais pas pour me venger. Pour défendre le président Lee et la réputation de notre père. Tu as osé nous trahir alors que nous te vénérions. Je ne suis pas un traître. Non, je suis un agent japonais. Tanaka Ikitsu. J'ai quitté mes parents quand j'avais 12 ans à peine. Pour devenir espion en Chine. Et je veux rentrer dans mon pays. Je déteste tout de la Chine. Quand ma mère est décédée, je n'ai même pas pu aller la voir. Vous entendez? J'ignore où elle a été enterrée, je n'ai pas pu lui dire au revoir. Dans le fond, c'est une grande idée de tirer ma révérence. Pour que tout ça finisse, je ne suis qu'un soldat. Je n'ai pas d'autre choix. Je suis soulagé maintenant que ma mission est finie. Non, je n'ai plus à blesser tout ce que j'aime. Ça a été un plaisir d'être adopté. Par ta famille et être ton frère. Vous êtes des gens si respectables. Je n'ai pas de regrets. Je suis fier d'avoir aimé Mei Wai. Où est Mei Wai? Montez-le, montez-le.
Chen est de suivre l'ombre de l'adversaire et non sa main. Concentrez-vous sur ce que vous sentez, non sur ce que vous voyez, c'est compris? Elles sont toutes de Kitami. Ouvrez-les pour inspection. Tout de suite! Ça y est. Un double fond. Quoi? Qui es-tu? Où je suis? Et qui êtes-vous? Je veux rentrer chez moi. Il y en a un autre ici. Faites attention les mouvements. Ici, aidez-le. De l'eau. Donnez-leur de l'eau, allez. Mettez les autres caisses par ici. Du calme. Aidez-le à sortir. Papa! Il y a un pauvre mendiant dehors. Hein? Ça n'est rien. N'aie pas peur, allez. Partez. Et au moment critique, il est arrivé avec un grand bâton dans la main. Et il a balayé tous les Japonais avec un mouvement de Wing Chun appelé 6h30. Et c'est là que l'oncle Tenchi s'est avancé et avec son épée japonaise a coupé le bâton en deux. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a continué à attaquer Man avec des mouvements de karaté et avec des mouvements de judo aussi. Il fallait voir ça. Ça a été un combat mémorable. Et mon père, comment il a réagi, alors? Ton père a été très vif, tu sais. Il s'est immédiatement servi des deux bouts de bâton comme de deux ailes aiguisées, tu vois? En mélangeant des mouvements presque inconnus de tous, des mouvements très, très difficiles à anticiper. Ce mélange de techniques qu'il a inventées lui ont non seulement valu la victoire, mais aussi lui ont permis de me sauver la vie, moi, son ancien professeur. Et c'est depuis lors que j'ai cessé de croire que les écoles d'arts martiaux devaient être séparés pour maintenir leur style. Et comment oncle Tenchi connaissait le kung-fu japonais? Oui, pourquoi? En fait, ton oncle Tenchi était... Pourquoi avez-vous arrêté l'entraînement? Papa! Allez, retournez à l'entraînement. Allez, retournez vous entraîner. Tu leur racontes encore cette histoire, frère Chumso. Ils la connaissent par cœur. Mais le fait est qu'à chaque fois, c'est une nouvelle histoire pour eux. Tu as raison. Les enfants doivent connaître leur histoire. Oui. Concentrez-vous sur l'entraînement. Vous mangerez après. Le dîner est servi, June. L'entraînement est fini. Venez, allez. Papa vient de dire que je devais continuer à m'entraîner. C'est quoi le plus important? Les arts martiaux ou manger quelque chose, hein? Manger. D'accord. Papa! Reposez-vous, les enfants. Nous continuerons l'entraînement après le dîner. Quand
我悠然自豪，经典角色创新思想，岂能俗套千古传颂，还食只一块极千尺望，前人后人还看，今朝细数几个好汉，壮壮壮坚决荡荡荡，流着汗汗汗风吹爽爽爽，男儿是千尺浪，豪情是千分狂，爽爽